Bonjour, bienvenue pour une nouvelle séance de Kita Iso. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Voilà, on va commencer à prendre notre position de départ. Ouverture pieds, épaules, allez, on se détend. On pense à soi, c'est un moment à nous. Allez, on se cale sur notre respiration. J'inspire par le nez. Je peux souffler par la bouche ou par le nez. Et je frotte mes mains. Je redescends et j'inspire. Emplissez bien votre cage thoracique, maintenez votre inspiration, marquez l'échange et soufflez. Descendez sur genoux, sur quadriceps, les cuisses. Allez, j'inspire et je chauffe mes mains. Je me saisis, rotation des poignets. Allez, face à la poitrine. Faites une belle vague. Rotation pieds poignets. On commence par le gauche. Ensuite, en fait, on suit dans nos mouvements la circulation du sang et la fonction cardiaque. La rotation dans un sens. Laissez les doigts libres. Dans l'autre sens. Poignet droit, dans un sens, rotation. Dans l'autre sens. Puis poignet gauche, je le frotte. Poignet droit, chauffez bien, les doigts, on commence par le pouce gauche, donc tous les doigts de la main gauche, puis tous les doigts de la main droite, dessus, dessous, je pince, je vais bien pincer sur mes côtés, en bord latéral et médian, arrivé aux extrémités, je pince bien fort. Je fais vibrer, je tire un peu. Si vous avez des douleurs arthrosiques, répétez cette opération tranquillement, plusieurs fois par jour.
mes chaussures coupent bien mes mains. Voilà, vers le bas. Allez, on décontracte bien ses épaules. On va faire les cervicales. Demi-cercle. J'inspire, je frotte bien mon menton vers le bas et j'expire, je tends. J'inspire. Et j'expire. J'étire. Alignement menton-épaule. Je remets ma tête dans l'axe, je décroche un peu mon bras gauche du corps et je couche en latéral, oreille droite vers épaule droite. Et je souffle. J'inspire, je ne force pas au début et j'expire. Je remets dans l'axe. À la prochaine expiration, j'inspire, j'expire, je maintiens ma tête et je mets en opposition mon bras gauche tendu, tiré vers le bas, le doigt bien écarté. Et je descends d'un cran le creux vaisselle, je bloque, j'attends les fourmillements ou l'engourdissement du bras et je remonte. Bras, épaules et tête. Deux autres mouvements identiques. Descendez d'un cran, n'oubliez pas. Et je reviens. Troisième et dernier mouvement. Je maintiens bien ma tête. Et je mets en opposition. Et je refais. Allez, on change de côté. Mouvement libre au départ. Sans forcer. Pensez à vous, prenez le temps d'inspirer longuement, par le nez finement, j'expire. Allez, on inspire, on expire, on bloque, on tend le bras vers le sol, le doigt bien écarté, je descends d'un cran, le creux aisselle, et je remonte. Deux autres mouvements. Et je remonte. Allez, secouez un peu les bras. Main en prieur, je mets mes majeurs sous menton, j'inspire, j'aligne la vue, hein, alignement de la vue, plafond ou ciel, j'étire un peu, je reviens dans ma ligne d'horizon,
J'expire. J'inspire. Faites un petit mouvement d'étirement du menton, grâce au majeur. Et je reviens, j'expire. Je reviens. Allez, j'accueille la nuque. Je pose bien l'os occipital sur le tranchant de mes mains. Voilà, je cale bien mon cou entre mes mains. Allez, j'inspire, je pousse en arrière. Je relâche, j'expire. Une dernière fois. Et je décroche. Alors, on décroche un peu ses bras, on baisse bien les épaules, on ne met aucune tension au visage. J'inspire, j'expire, mouvement du pigeon, de la tortue et les jambes. Je remets ma tête dans l'axe. Allez, je vérifie un peu l'articulation et la légèreté et la mobilité de mes cervicales. Allez, étirez un peu. Côté. Et je reviens dans mon axe. Allez, je chauffe bien mes mains. Je vais faire ma partie rénale et mes surrénales. Allez, je les chauffe. On va avoir une super belle journée. J'espère avec moins de vent. Chauffez bien vos mains et frottez bien votre dos. Charles, c'est bientôt fini ? Charles, c'est bientôt fini ? Allez, je me stimule cette zone. Partez bien des côtes. Côtes flottantes, balayez votre carré des lombes. Et après le sacrum, coccyx, battez-le. Et on repart du haut. Haut surrénal, corps flottant, train. On garde la même position des mains. On fait bien sur le latéral du fessier
revient sur le côté. On place ses mains. Allez, on libère le bassin. Rotation. Essayez de gagner en amplitude. Changement de sens. Voilà, on va y associer l'antéversion, la rétroversion du bassin. Allez, ça soulage. Et le verre et le sacrum, tout ce qui est la barrière lombo-sacrée. Étirez bien, décompressez. Et voilà. Étirez bien un peu l'axe. Baissez bien le fessier et montez bien la tête. Ne montez pas les épaules, hein, ne vous crispez pas. Hein, mettez aucune tension, visage, épaules, bras. Impeccable. Allez, les genoux, rotation. Enroulez les chevilles également. Dans l'autre sens. Allez, côté latéral, sortez bien la hanche, soufflez, expirez, j'inspire et j'expire. Allez, appuyez bien sur les tranches des pieds internes, externes. Et on chauffe les genoux, devant, arrière, côté extérieur, côté intérieur, et on recommence. On se redresse, on appuie sur la pulpe des pieds, jambe gauche, on tourne et on appuie, allez, rotation de la cheville, dans un sens, appuyez bien sur la pulpe des pieds, dans l'autre sens. Changement. Allez, cheville droite, roulez bien, appuyez, pulpe des pieds,
Le pied droit, appuyez, roulez dans un sens. Dans l'autre sens. Changement de sens. Appuyez, roulez. Allez, piétinez, marchez, vous faites du surplace, gardez bien votre alignement, baissez bien les épaules. On va un peu taper sur talon, j'inspire, je me mets sur ma pulpe des pieds, j'expire. Contrôlez. Une fois. Voilà, écart, ouverture des pieds, épaules. Allez, j'inspire, gardez les bras ronds, j'expire, allez, on décroche. C'est important, soufflez, décrochez vos omoplates. Allez, faites travailler en amplitude hein, au fur et à mesure. L'articulation de l'épaule. Vous avez pensé à préparer votre bouteille d'eau, votre musique. Allez dans l'autre sens, je souffle. Allez, je vais ouvrir nos merveilleux vaisseaux. Fente avant gauche. Je commence, je cale bien mes pieds au sol. Allez, je baisse mon fessier. Je garde ma rectitude. Allez, ouverture par le pouce. Je commence par l'expiration. J'inspire, je ramène à moi. Je plante talon au sol si je veux. Et si je peux, hein, surtout. Et je souffle. On déroule plante des pieds. Et on la raccroche au sol, j'inspire. Et j'expire. Si vous avez de l'hypotension, ne mettez pas votre tête en arrière. Gardez l'alignement comme ça. Voilà, ne faites pas comme ça. Ça coupe au niveau de l'occipital. Irrigation. J'inspire, je cale bien mon talon et j'expire. Poussez nombril, direction colonne vertébrale et j'inspire. Et j'expire. Dernière fois, gardez les doigts libres, gagnez bien la terre et je change ma fente. Prenez bien appui à la terre, je commence par une expiration et j'inspire. Raccroche à la terre. Direction le ciel.
revient. Allez, je serre mon centre, la droite accueille la gauche, j'inspire, descendez bien les épaules. Changement, j'abaisse mes épaules. Gauche, la main gauche accueille la main droite et santé cardiovasculaire, je bloque et j'expire. Et je redescends. Voilà, posez votre inspiration, expiration. Allez, on regagne son centre. On inspire. Allez, on accueille cette jolie journée. On aligne, si on peut, hein, bien entendu, bras, oreilles. On étire, flexion, extension vers l'arrière. Je baisse menton d'abord vers thorax, poitrine et je m'enroule. Je vais toucher mes pieds, mes orteils. Je remonte. Dans mon inspiration, j'étire. Terminer par dérouler les cervicales. Dernier mouvement. Je remonte, je me déroule, j'accueille mes mains sous nombril. J'étire mes coudes, j'abaisse bien mes épaules et je reviens. Posez votre respiration. Accueillez-la. Voilà. Allez, on écarte et on va pousser main droite en opposition à jambe gauche et on étire. On met le pied en flex, en angle, et la main également. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On va faire travailler ici notre hara. Je pousse. J'inspire. Je mets en angle et je tire. Tirez, tirez, tirez. Deux axes. Hein. On doit faire une croix. Je pousse. On alterne. Encore une fois à droite. Allez, on va
travailler encore notre rat. Allez, ouverture. Allez, j'embrasse le monde. Poussez, nombril vers colonne vertébrale. Allez, j'ouvre. Et je ramène en moi. Allez, videz, 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 videz. Il reste de l'air résiduel. Bloqué. Une fois. Impeccable. Allez, j'ouvre, rétroversion du bassin, je me pose bien, je descends bien mes épaules, je prends mon inspiration dans mon axe. Je souffle, j'aligne menton, épaule et je tourne la vue et je l'étire, étire, étire, étire et je reviens. Côté gauche, j'aligne menton, épaule gauche et je tire la vue, je positionne bien mon globe oculaire, ma vision derrière le dos. Dernière fois, à droite, alignement menton à droite, épaule droite, et je remets dans mon axe. Allez, en fente gauche, je commence par une expiration, je suis bien reliée à la terre, j'inspire, main gauche, pied gauche, et tire mes doigts. Je reviens dans mon alignement. Voilà. Et je ramène à moi. Je plante talon ou je reste plante des pieds accrochés au sol. Soufflez, expirez, inspirez. Tirez. Revenez. Et ramenez à vous. Marquez tous les échanges entre l'inspi et l'expi. Entre nos pôles nord-sud ou terre-ciel au niveau énergétique. Et je change ma fente. Droite. Position fondamentale à droite.
On commence par une expiration. On se positionne. Ancrage à la terre. Ouverture vers le ciel. Et je reviens. Allez, ici, on pompe le pli de l'aine. Moi, j'ai un petit cheveu. Voilà. Pompez bien le pli de l'aine, écrasez le muscle. Jusqu'au genou. Avec les autres doigts, vous pincez. Vous ramenez. On secoue un peu ses jambes, on secoue un peu ses bras. Fente gauche. Je bloque mon mouvement. Ouverture, pouce, épaule. Je referme. Je reviens dans mon axe. Bloquez bien le mouvement. Yin, partie en haut, je fends. Encore une fois. Allez, même mouvement, mais en tapant toute la plante des pieds, surtout la pulpe. Et on arrête bien le mouvement, le contrôle. On y associe la respiration. Impulsion au pied, je ramène. Encore une fois. Droit. N'oubliez pas, impulsion sur pied, hop, je ramène. Ici, je bloque ma narine droite. J'inspire et je vais expirer uniquement par la narine gauche. Préparez un petit mouchoir. Je bloque mon inspiration. J'expire. Bien en latéral. Allez, allez, allez. Et j'inspire. Change de côté,
bloque la narine gauche et je vais inspirer, expirer uniquement par la narine droite. Voilà, avec le petit auriculaire, je vais me mettre sous l'aile du papillon, hein, sous narine. Je vais trouver une petite cavité, hein, je suis en fait sur les racines aussi de ma canine. Et je presse et je tourne. Pressez, tournez, pressez, tournez, rotation. Voilà, allez, ici, je ramène mon centre, hop, voilà. Sans mettre les pieds joints, allez, avec l'index, je vais le travailler, j'inspire, hop, je monte sur ma pulpe des pieds, j'aligne mes bras au niveau des oreilles et je tends. J'étire, j'étire, j'étire. Et je baisse sur mes genoux. Je souffle, hein. Expirez, expulsez tout l'air. On prend l'oxygénation par le nez. On étire. On maintient. On expire. Soit finement par la bouche ou par les narines. Posez. Et étirez. J'étire. Et je redescends. Écarte, je suis mon index et je vais presser, relâcher, presser ce point-là. Le point côté de la main droite, donc je suis mon index en butée sur le bord de ma phalange, mon métacarpien. Je presse.
stress et je relâche. Je secoue mes bras. Et ici, on va s'occuper de la partie rénale, l'énergie du rein. Position, voilà, rétroversion du bassin. Je suis bien ancrée sur mes cuisses, mes pieds. J'inspire, j'étire. Je le fais au ralenti. On va essayer de se planter sur notre pulpe des pieds et ouverture. Et je reviens. Allez, je me débrouille les jambes, je les fais vibrer. Allez, j'inspire. Gonflez bien le ventral. Prenez en volume. Bloquez l'air au niveau des clavicules. Et relâchez. Voilà, j'espère que cette séance vous a été profitable et agréable. On se retrouve toutes et tous pour une nouvelle séance de Kita Iso la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, profitez, voilà, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter de bien hein, et de positif, voilà. Donc prenez, profitez de ces belles journées d'ensoleillement, voilà. Et ceux qui sont allergiques, bah, c'était une séance pour eux, pour régulariser tous les grands filtres, foie, reins et poumons. Voilà, portez-vous bien et à la semaine prochaine, je vous embrasse à toutes et tous. À bientôt.